Jean-Marie Le Pen est hospitalisé à la suite d'un malaise cardiaque. Sa fille Marine Le Pen a déclaré qu'il allait bien. Alors, on vous donne des nouvelles du plus vieux youtubeur de France, Jean-Marie Le Pen. Alors, Jean-Marie Le Pen, c'est notre reine Elisabeth II xénophobe. C'est la sœur Andrée de Montretout. Bien avant Éric Zemmour, c'était lui le spécialiste du dérapage incontrôlé. C'était un peu notre Pierre Palmade breton. Alors, le menhir commence à se fissurer. Sa participation au JO 2024 est d'ores et déjà très compromise. Bon, c'est normal, il a 94 ans. Et puis, on est en quatrième semaine de Ramadan. Oui. C'est déjà très beau à son âge qu'il le fasse. Alors, Marine a dit, il va bien. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'ai autre chose à foutre. J'avais les chats à brosser. Mais c'est quand même marrant qu'elle ait dit, j'ai pas eu le temps. Le dimanche, j'avais pas eu le temps. Ouais. Alors, il a eu un petit coup de mot. Mais ça a pas dû être facile à son arrivée à l'hôpital. Parce qu'il est tombé, en fait, sur... Il a dit, bonjour, je suis le docteur Cohen. Je vous présente les aides-soignants Fatoumata et Rachida. Oui. Merde, deuxième malaise.